pas être en reste de moi de noyer. C'est l'idiot. La cuisine, ça ne fait pas planter les choux. On l'applaudit. Et on va enchaîner maintenant ici avec notre amie Greta qui est là-bas. Greta, bonjour. Toi, tu reviens carrément de Mantes-la-Jolie. Et tu nous as ramené le tube qui cartonne actuellement à Mantes-la-Jolie. Alors, si tu es d'accord, on va l'écouter et on en reparle après, musique. Elle est pas con, elle. Pas con, elle me dit. Allez, bambino, tu n'as pas les pieds sur terre, mais t'en rêves peu. Toi, la tête dans le cul après ce long. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sandrine Alexis et de. De Prune. On m'a dit patate tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle répond aux deux, parce que j'aime bien Prune. Prune, c'est le nom classique, qui lui va bien d'ailleurs. Et patate, c'est le patate parce qu'elle est patate, parce qu'elle est toute fausse. Voilà. Je trouve qu'elle a une tête de patate. Comment est venu cet amour pour les animaux, Sandrine? Toute petite? Bah oui, quand même, ouais, de toute petite. Moi, je suis une Brigitte Bardot. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'adore les animaux. Quand j'étais petite, je dormais dans une niche avec un chien, mais bon, j'étais pas maltraitée, hein. Mais on allait à la campagne, il y avait plein de chiens, et j'allais dans la niche. Même ma mère a retrouvé un tic un jour dans ma nuque. Oh là là. Et si vous deviez vous réincarner en animal, ça serait lequel? Je pense que ce serait plutôt en chat. En chat? Parce que j'ai un tempérament plutôt indépendante. Donc, je pense que je me réincarnerai plutôt un chat. J'aime bien l'indépendance du chat. Est-ce qu'elle vous suit partout? Je l'habitue à rester à la maison et à venir avec moi. C'est-à-dire les deux solutions. De venir avec moi souvent pour devenir sociable. Et quand je m'en vais, que je ne peux pas l'emmener, je lui dis, tu restes là, je reviens. Ça, c'est assimilé, elle comprend. Et quand je reviens, il n'y a pas de... T'as pas la gueule. Pendant le spectacle, elle est dans la loge, elle est toute seule, elle fait quoi? Vous lui mettez de la musique, elle vous écoute? Alors, elle est dans la loge, mais elle n'est pas là tous les soirs. Ça doit faire la troisième fois que je l'emmène au théâtre. Parce qu'il y a quelques temps, je l'avais emmenée en gala. Et alors, elle n'était pas loin de la scène. Et elle m'entendait. Et alors, c'était... Et on entendait ça sur scène. Impossible de la calmer. Donc, maintenant qu'elle a assimilé des mots et qu'elle a compris que je ne l'abandonne pas et que là, il y a une loge, il y a mon odeur, etc., je me suis rendu compte qu'elle ne pleure pas. Elle est contente de venir. Elle est contente de venir avec moi et elle sait que il vaut mieux pas qu'elle plante le souk parce que sinon je vais plus l'emmener. Donc je crois qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle soit sage et qu'elle attende. Est-ce qu'à Noël elle a un cadeau? Elle avait eu, je crois, un joujou qui fait poit. Ah, quand même, un petit cadeau alors. Hein. Bah oui, là, elle aura un cadeau là. Qu'est-ce que je vais t'offrir? Hein? Un garçon. Est-ce que Prune va faire des bébés justement? Je pose la question. Il y a des gens qui me disent que c'est important qu'une chienne ait au moins une portée. Et par contre, on m'a dit aussi que le cocker américain, après une maternité, pouvait développer beaucoup de kystes ou d'avoir des problèmes. Alors, j'hésite. Votre plus belle histoire avec vos animaux? Il s'appelait Rex. C'était un Allemand, un berger allemand. Et on s'est rencontrés. Et je voulais un enfant, il n'en voulait pas. On s'est séparés. Donc Sandrine, vous promenez votre aspirateur dans votre jardin avec son bec de canard? Non, et... tu parles de Céline Dion? Oui. Parce que je raconte dans le spectacle que René m'a offert un petit animal. Je voulais un petit animal, un canari ou un caribou, puis je ne savais pas tellement ce que je voulais. Puis René un jour arrive avec une espèce de corde hippopotame, tu sais, avec une trompe d'éléphant, puis un bec de canard au bout. Je lui dis, oh, René, comme il est mignon, comment qu'on va l'appeler René? Puis là, René me regarde bizarrement. Comme un con. Puis il me dit, moi Céline, on va l'appeler aspirateur, puisque c'est un aspirateur. J'étais tellement contente, je suis partie promener tout de suite dans le jardin, tellement contente. Est-ce que vous pensez que justement de sortir son chien, on fait des rencontres? Genre rencontre. Oh évidemment. Genre bonjour. Ça, les mecs, ils s'en servent bien, parce qu'une nana toute seule qui promène son chien, c'est plus facile de dire, oh, comment il est mignon, mais comment il s'appelle? Ah, parce que moi, j'ai aussi un chien et blablabla, et la conversation démarre, plutôt que de dire, tiens, vous êtes mignonne, vous habitez où? Ou là, ils se font lourder direct, quoi.
C'est vrai que, qu'elle est belle, Prune. Elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle. Très, très belle. Elle est très très belle. Alors je ne vais pas vous inviter à dîner ce soir, par contre, mais la tradition veut que dans notre émission, pour terminer, vous allez nous signer un petit autographe. D'accord. Voilà, pour la, la, les amis des animaux. Et tiens, puis pendant patate. Ce temps, Patate, signe elle va signer. Elle, elle s'est signée en plus. Elle est pipi. Et puis je vous invite, allez, vous aussi, si vous voulez bah, voir Prune, et puis si vous voulez avoir un autographe de Sandrine Alexis, d'aller la voir au théâtre de 10h. Attends bébé, attends. Oula. Allez, on va signer. Elle est vraiment toute fofolle. Elle hein. est fofolle, ouais. Et une dernière question, Sandrine, et je vous promets, ça sera la toute dernière. Elle dort avec vous? Malheureusement. Alors, le truc, c'est que on m'a dit, surtout le chien, pas du tout sur le lit. Et quand elle était petite, c'était « Dodo dans ta niche ». Alors, elle venait... Je dis, non, il ne faut pas que je craque, il ne faut pas que je craque. « Dodo dans ta niche ». Et puis, en fait, bah, j'ai craqué. Elle dort sur le lit. Elle met des poils partout. Elle a des niches partout. Mon lit, le canapé du salon, et tout lui appartient. Et c'est un peu problématique. Je ne conseille pas aux gens. Voilà, je vous invite en tout cas à aller voir Sandrine Alexis qui joue les stars au théâtre de 10h. Et vous aussi, vous aurez peut-être un autographe.